à toutes, bonjour à tous, donc ici c'est Yoko pour la quatrième partie donc sur Harry Potter si je dis pas de bêtises. Alors on en est arrivé donc ici, avec Ron juste devant nous, et j'ai encore une fois oublié de baisser le son, c'est magnifique. Hop. Enfin, peut-être pas trop fort, ah mais oui non mais ça c'est normal, c'est juste. Faut pas oublier qu'avec le son qui avait bugué, j'avais pas baissé le son. Ouais. Ça n'est point grave. Donc on devait aller dans cette fameuse pièce. Mot de passe. Groin de porc. Caput Draconis. Désolé, ce n'est pas le mot de passe. Oh, zut! On ne connaît pas le mot de passe et la grosse dame ne nous laissera pas entrer. Toi, tu attends ici. Si jamais un élève de Gryffondor passe, moi, je vais chercher Hermione. Elle le saura. Et en même temps, on a entendu une porte qui se déverrouille. Je ne sais plus du tout. Voilà, en bibliothèque, j'ai pas souvenir d'y être allé. Donc ça doit être celle-là qui se déverrouille. Puis bon, Hermione doit y être. Bonjour! Bonjour Harry! Quelle Bonjour! belle journée! Vous avez l'air content, Nick! Très content, Harry! J'ai envoyé une lettre à Sir Patrick de la Nepotmort, ma candidature au club des chasseurs sans tête! Comme je l'ai déjà dit à votre amie Hermione Granger, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps! Hermione est ici? Bien sûr! Mais faites attention, il y a des livres plutôt méchants par ici! Utilisez votre sortilège repousse tout pour les remettre en place. Allez, voilà. On rallume ces baguettes, c'est magnifique. Alors, il faut qu'on aille chercher notre amie Hermione Granger. On traumatise toujours autant les noms. Je suis vraiment étonné qu'ils disent pas ripoter, quoi. Parce que je veux dire, ils auraient regardé ne serait-ce qu'une demi-fois le film, ils auraient au moins entendu Hermione Granger, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Non, faut d'abord peut-être que je monte là. Donc oui, j'ai vu la bibliothèque secrète entre guillemets. Voilà. Ah, un paquet de bonbons avant. Autant tout ramasser tout de suite. Pour les livres, on ira après. Donc hop. Faut déjà changer de slot, c'est bon. On peut y aller. Alors, va-t-il encore une fois me falloir un sort que je n'ai pas? C'était la grande question. Bon, en tout cas. Ah. Un passage dans le. Ah non. Vas-y, Harry. Prends-lui la tronche. Voilà. Par contre, si Hermione, ouais, ça, je fais même des liaisons de fou, hein. Si Hermione est ici, je rechargerai juste avant, donc hein, parce que ce serait dommage de passer à côté de. Allez, vas-y, c'est la guerre des étoiles. C'est pas. Yes. Non? Ah si. Putain, par contre, les parents, bon d'accord, ses parents sont morts quand il était bébé. Non, j'ai eu peur d'avoir fait une liaison foireuse. Enfin, ils auraient dû lui apprendre à pas ramasser tous les bonbons qu'ils trouvent par terre, quoi. Parce que bon, il va finir par tomber malade, le pauvre. Putain, j'ai un mal de chien pour parler, c'est un truc de fou. Hop. Que dalle. Bon, et ben, on va se la jouer Tarzan. Allez, vas-y. Ah ouais, en effet. Putain, alors, je sais pas qui est-ce qui a été foutre des bonbons là-haut, mais... Ah, encore un passage, je le prendrai juste après. D'abord tout ramasser. Hop. Alors, ça commence à vraiment faire. Je vais pas y arriver. Aussi. Oh, à vraiment faire beaucoup là tout. Non, quel. Ah, quelle andouille. Ça commence à faire un bon petit paquet. Je sais pas du tout combien il en faut, mais.
Imaginez, j'ai l'impression d'avoir fait rien fait dans le jeu et je suis déjà plus de 350, je crois. Ah non. Alors, on arrive à 350. Alors ici, il n'y a que dalle normalement. Je suis complètement largué. Bon, écoutez, il y a l'air d'avoir que dalle, à part notre bibliothèque. Donc, petite save au cas où ça bug. Là, une carte. Alors, est-ce que celle-là, on peut la faire descendre? Oui, alors celle-là, on peut. Harry Potter. Écran bleu. Et j'ai la carte de moi-même, d'accord. Mais par contre, je suis vraiment désolé pour la qualité au niveau de... Donc quand on ramasse un objet, je vois pas du tout d'où ça vient. Puisque ça ne le faisait pas au jeu précédent. Ça le fait de temps en temps, je sais pas d'où ça vient. Je pense pas que ce soit un réglage de l'émulateur. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, comme j'ai déjà dit, c'est pas encore trop gênant. Au pire, on peut toujours les regarder comme ça. Même Harry si c'est un Potter, peu, un peu dommage. T'as fini de Félix me couper Harry Potter, le sur... Gaspard okay. Dorca... Félix l'abeille. On peut pas. C'est pas grave, on le fera plus tard. Donc, par ici, c'est fini. En tout cas, on aura ramassé une carte et quand même un bon paquet de bonbecs. Ça, c'est cool. C'est un peu comme une prison, en fait. Il y a du deal, quoi. Il y en a... En prison, tu deals des clopes contre autre chose. Bah, là, tu deals des bonbons contre un service. Alors... Non, pas celui-là. Tiens, deux, un. Allez, snipe. Snipe. Tiens. Ah, j'ai oublié un paquet, tiens. Voilà qui est fait. Ensuite... Ah, encore un livre. On y arrive. Spam, spam. Tiens, mange. Putain, mais décidé. Ce sera pas elle, là-bas. Alors, on va pas y aller. Ouais, je lui fais la tête. Elle a refusé de me prêter sa baguette magique. Allez, non. Putain, Harry, t'as des lunettes, non? Tiens. Alors, on va pas aller là tout de suite. On va essayer de faire le tour. Ah ben. Alors, y'a rien à ramasser ici. Je suis assez impressionné par contre par le nombre de passages secrets qu'on a, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Ah, encore des livres. On va faire un chier pour viser. Non, mais en plus, c'est chiant. Touche. Oh, snipe. On visait, il y a énormément de passages secrets, c'est vraiment dingue. Alors. Par terre. Ah non, ça arrive. Il n'y a rien. Parce que je crois qu'il y a encore un passage. Non, il n'y a rien du tout. On peut y aller. On va aller voir notre copine Hermione Granger, comme dirait l'autre. Alors, est-ce que je peux l'esquiver discretos? Oui. Cool. Parce qu'à mon avis, dès qu'elle va me parler, elle va m'emmener à courir rejoindre la classe. Hop. Voilà. Je n'arrive pas à croire que toi et Ron vous êtes si irresponsables. Vous auriez pu vous faire tuer ou pire encore être renvoyé. Blablabla. Le mot de passe pour la grosse dame, c'est Antochère. Toi-même. Si vous étiez arrivé à temps, vous le sauriez. Harry, n'oublie pas de consulter ton bulletin. Eh ben la prochaine fois qu'il y a un troll géant qui t'attaque dans les toilettes, eh ben je te laisse te faire défoncer. Ça t'apprendra. Non mais genre quoi. Puis merde quoi, je suis l'élu quoi, merde. Je peux tuer Voldemort si je veux. Oh, j'ai dit son nom. Là, on est là.
Donc Antocher, mais de toute façon il va le dire tout seul, donc j'ai pas besoin de le retenir. Je suis perdu. Mais franchement, vous imaginez, vous avez 12-13 ans, vous arrivez dans cette école, on vous largue ici. Encore ça va, il n'y a pas trop de... Pas trop d'étagères. J'en perdais mes mots. Hop, on va directement y aller. On va essayer de faire un peu l'histoire quand même, parce que l'épisode d'avant n'a pas fait grand chose. Harry, salut. Il faut qu'on aille à la salle commune. Ah oui. Mot de passe. Antocher. Putain, il a failli se prendre la porte dans la tronche, et le pauvre. Alors. On a réussi. Il ouais. paraît que cette année, on peut gagner la coupe en botanique et en défense contre les forces du mal, si on est bon. Ce serait bien si Gryffondor la remportait. Je pense aussi. Dépêchez-vous tous les deux, le cours de botanique va commencer. Je n'ai pas envie d'être en retard. J'avais oublié combien elle me manquait. Allez, viens. Botanique. Challenge botanique, coupe du cours de botanique, coupe du cours de défense contre les forces du mal, et toi ? Coupe du challenge de défense contre les forces du mal. Donc il y a notre copain ici. Attendez, c'est quoi ? Non, on le fera pas maintenant. Tu as déjà entendu parler du duel des fondateurs ? Il y a une statue derrière nous. Tu peux t'en servir pour trouver l'entrée des duels des fondateurs. Essaie de vaincre chaque duelliste pour gagner une carte des sorcières et sorciers célèbres de Poudlard. Collectionne-les toutes et tu pourras entrer dans la tourelle des fondateurs. D'accord. À notre connaissance, personne n'a jamais réussi à vaincre tous les duellistes fondateurs, ni à entrer dans la tourelle des fondateurs. On aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est là que tu interviens, Harry. On pense que tu as le potentiel pour vaincre chaque adversaire et gagner toutes les cartes des fondateurs. Pour pouvoir faire un duel, tu dois avoir un certain nombre de cartes des sorcières et sorciers célèbres. Les cartes des sorcières et sorciers célèbres sont très difficiles à trouver. Alors, on veut bien t'en vendre 5, Harry. C'est une bonne affaire. Donne-nous 50 dragées surprises de Bertie Crochu et on te donnera une carte des sorcières et sorciers célèbres. Désolé, Harry, mais si tu veux une carte des sorcières et sorciers célèbres, il faut que tu nous donnes 50 dragées surprises de Bertie Crochu. D'accord. Ignatia Will Smith. Je vais dire, j'en ai 300 et quelques, pas m'embêter. Alors. Désolé, Harry, mais okay. Si tu veux une carte des sorcières et sorcières. Greta, grand amour. Je crois qu'on pourra tous les prendre, c'est cool. Désolé, oui, Harry. Oui, on a compris. Chancey Aldridge. Là, c'est un peu du spam en fait. Hein. Désolé, Harry. Herpo le fou. Désolé, Harry. Tais-toi. Paracels. Désolé, Harry. Mais si tu veux d'autres cartes des sorcières... Ok. Bah écoutez, regardez, on en a déjà la moitié. C'est un bon début. Bon, je pensais pas... Je pensais avancer dans l'histoire, mais on va quand même aller jeter un coup d'œil à... au duel. Hein. Histoire quand même de gagner ces fameuses cartes des fondateurs. Donc si on a bien compris, on doit faire des duels si on a assez de cartes. Je suppose que le dernier duel ne sera faisable que si on a le dernier. Et ça rame à mort. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Okay, ça sert à rien. Donc on ne peut faire un duel que si on a assez de cartes. Et un duel remporté nous permet... Je vais faire une sauvegarde là parce que je vois des petites plateformes sur le côté, mais je n'ai pas de... Ah non, ça sert à rien. Harry ne s'envole pas encore. Excusez-moi. Je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas ce sort, on est bloqué dans pas mal d'endroits. Il nous laisse les portes ouvertes pour pas mal d'endroits, mais... Si on n'a pas le sort, on ne sait pas passer. Ah. Peut-être le premier. Bonjour. Alors, on va faire une sauvegarde avant, on sait jamais. Bonne chance. Tu en as besoin. Cool. On va se concentrer parce que les duels, je sais pas si vous vous rappelez. Tour de duel de Pouf Souffle.
Après, la musique, elle est vachement sympa. Ah, on affronte quelqu'un. Ok, je pensais à un esprit, moi. Ainsi, tu m'as trouvé. Moi, le champion des sorciers de Poufsouffle. On va se battre en duel. Je ne vais pas me laisser vaincre par un élève de Gryffondor. Hop, petite pause, petite save, et on est parti. Allez ! Mes adversaires ont déjà trouvé leur rythme. Au. Eh bien, si jamais rien ne fait pareil. Oh, genre. Ah ! Ah, j'ai eu. Au. C'est fabuleux. Ok. Hop, il était pas trop dur. En garde. Allez. Je crois que c'est le premier, donc c'est fait exprès. C'est plus de la deuxième reprise. Ow. Oh, très bien de la part de Potter. Allez, petit, jette-en ici. Ah. Oh, genre. Waouh. Oh, genre, je l'ai raté, quoi. Ah. Oh, oh, oh. Voilà. Expelliarmus. Ah. Oui, excellent coup. Pas possible, Harry, tu as gagné. Regarde ce que tu as fait à ma baguette. Tiens, je te donne une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu la mérites bien. Merci. Elga Poufsouffle. Cool. Alors écoutez, on a gagné notre première carte, ça fait plaisir. Moi, je suis assez content. Mais écoutez, si tous les duels se passent comme ça, ça doit aller, quoi. C'est pas trop compliqué. C'est même limite assez bourrin, en fait. Hein. Alors maintenant, est-ce que j'ai un coup de bol sur ce tour-ci? Je ne sais pas. Félicitations, jeune homme. Je t'assure que c'est un exploit d'avoir battu le champion de Poufsouffle. Harry Potter, ouais. Le survivant, Ignace Fedgridor, Elga Poufsouffle. Ah, voyez, c'est des cartes argentées. Co-fondatrice de Poudlard. Ok, on va aller voir donc ici. Hop, F1 pour sauvegarder. On va voir si on peut vaincre le deuxième. Ah ouais. Ok, il en faut 20. Et lui. Viens, viens, insensé. Lui, on peut. C'est plutôt une bonne chose. Ah, Serre d'Aigle. Avec un magnifique décor qui clignote et qui tremble. C'est sympa par contre de faire des aires différentes. Plutôt une bonne idée, j'aime bien. Bienvenue sur l'aire de duel de Serre d'Aigle, Harry Potter. Je suis le champion de Serre d'Aigle. Il paraît que tu es un adversaire redoutable, mais sache que j'ai rarement été vaincu. On y va ? Rarement, mais pas jamais. Regarde! Allez! Le duel commence! Les deux adversaires ont déjà trouvé leur rythme! Oh, très bien de la part de Potter! Oh non! Potter réagit! La première reprise est pour Potter! Too easy! Regarde! Allez! Début de la deuxième reprise! Oh, très bien de la part de Potter! Oh non, quel con. Joli coup de Potter. Potter réagit très bien. Oh, je lui ai mis un perfect en plus. Expelliarmus. Celui-là était vraiment bidon. Tu m'as battu. Regarde ma baguette. Il n'est pas mauvais. Tiens, je te donne une carte des sorcières et sorciers célèbres. Phew. Revenant sur Death. Bloqué ? Ah non. Écoutez, ça se sera plutôt bien passé. Donc le troisième, on peut pas. Et le quatrième, je suppose, qui est en haut des escaliers. Très bien, Harry. Vous m'impressionnez. Vous avez donc gagné.
J'aimerais bien savoir si vous êtes capable de battre également le champion, le Serpentard. C'est une bonne question, mais j'ai pas assez de cartes. Donc pour l'instant, elle m'enverra chier. Bon, on va retourner dans le machin, dans la salle commune de Gryffondor. Donc ici, on peut toujours pas passer, ça sert à rien. Mais écoutez, pour l'instant, mes cartes, ça se passe plutôt bien. On en a récupéré plus de la moitié maintenant. En espérant que j'en ai pas zappé une seule. Sauf celle, évidemment, que je n'avais pas le choix. Ils me disent rien. Désolé, Harry. Non. Ok. Bah, c'est parti. Waouh ! La salle commune de Gryffondor ! Je vais prendre une photo et l'envoyer à papa. Regarde mon album photo, Harry. Là, sur la table. Ce ne sont pas des photos ordinaires. Elles sont magiques. Bon, allez, on va lui faire plaisir. Hein. De toute façon, on n'est plus à ça près. J'espère que ce sera de beaux dessins et pas les images de synthèse un peu pourries. On peut retourner dans le niveau. Ah, c'est cool ça. Et je pense que si... Comment on peut savoir? C'est la carte qui apparaît si on en a oublié ou si on a tout? Si on a tout, ce serait une bonne idée. Ouais, je pense que si on a tout, parce que là, j'ai eu la carte. Excellent. Bah, écoutez, pour l'instant, je pense qu'on s'en sort bien. Ah, ça, c'est génial, sinon ils nous permettent de retourner en arrière. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah, je suis plutôt content là par contre. Ça me rassure un peu, je me dis qu'au moins, si je me plante, que j'oublie quelque chose, ça n'a pas l'air d'être irréversible, et ça c'est génial quoi. Surtout avec leur sauvegarde automatique, ça a été pensé pour. Bah, si j'avais su, j'aurais accepté, tant pis. Le cours de botanique a lieu dans une des serres dehors, alors on y va. Ok. Bah m'attends pas surtout, encore que t'es mon meilleur pote. Et arrêtez de vous rentrer dedans, là, je vous vois. Hop, donc ça, on l'a déjà fait. J'espère que j'aurai assez de temps pour faire le cours de botanique, parce que la vidéo, mine de rien, avance bien tout doucement. Il me reste une dizaine de minutes, à peu près, je pense. Alors, donc je suppose que là je pourrais sortir. Ouais, mon pote qui m'attend. Il faut sortir pour aller au cerf. Si on sort, il faut éviter le sol cogneur. M'en parle pas. Bah, si c'est comme dans le film, logiquement il est quand même vachement sur le côté, quoi. Il est pas devant la porte. Donc tu risques rien, techniquement. Alors, comment ont-ils fait le parc ? Le château a de la gueule quand même, donc ça va. Et la musique est plutôt sympa. Alors. Bon, fatalement, il n'y a pas l'air de ressembler des masses au château qu'on connaît, mais. C'est pas grave, ça me choque pas. La botanique, c'est par ici. Entrée du collège Poudlard, école de... Ouais, laisse-moi tranquille. Alors, il n'y a rien de caché. On va les vérifier quand même. J'aime bien la sécurité par contre, c'est bien pensé. Tu peux mourir, en fait. D'ailleurs, je me demande si... J'ai fait une petite sauvegarde avant. Ah non, on peut pas. Wow. Yeah. Alors, il breakdance. Yeah. MC Hammer, c'est toi. MC Harry. Bon, j'arrête mes conneries. Bon... Alors, par ici, y a rien. Je vais aller voir mon pote là-bas. Enfin, mon pote. Je sais pas qui c'est, mais... Un noir, blanc, jaune... Salut, Potter. J'aimerais bien faire partie de l'équipe de Quidditch. Si tu pouvais parler de moi, okay. Olivier Dubois... Ok. Mais comme je peux pas m'entraîner pour l'instant... Je me demande d'ailleurs comment ils ont... S'ils ont modifié le... Hop, pas de passage. S'ils ont modifié le Quidditch ou pas. Ah, non, c'est pas possible, là. Bah, ça il y a rend... botanique, maintenant. Oui, bah je sais. Ah, c'est pas un passage, ça? On va faire une sauvegarde avant. Non, c'est pas un passage.
trouve ça vachement plus vivant qu'il y ait d'autres élèves dans l'école qui croient avec nous, parce qu'honnêtement, quand vous êtes tout seul à courir comme un dératé, il n'y a pas un chien, vous vous demandez si vous n'êtes pas dans une école fantôme. Alors, je ne rate rien. Il me semblerait que non. On va quand même tapoter le bouton carré, on sait jamais. Même si bon, je pense que ça ressortirait quand même vachement. Putain, mais c'est vachement grand comparé à celle-là, quoi. Alors désolé si je regarde sur tous les murs, c'est juste que j'ai pas envie de rater. Ah, un mur secret. Non. Ça n'a pas l'air. Hop. C'est toujours le même par contre qui nous donne. Ah non, c'est juste un bug des textures. Ou alors, mon bouton carré est en... Mais lol. Je suis pas fou, il y a quelque chose, là. Allez. Pourtant, mon bouton carré fonctionne, je suis sûr. Rond. T'as les boules, quoi. Là, je vois un truc, je peux pas y aller. Est-ce que ça le fait à d'autres murs? Bon, même pas la caméra bloque. Bon, bah écoutez. Quoique. Oh, ça bug la caméra ici, c'est horrible. Ouais, on va laisser tomber. J'ai entendu parler de la voiture volante. La classe. Le professeur Chourov m'a posté là pour montrer le chemin de la serre numéro 3. C'est par là. C'est pas comme s'il y avait plusieurs chemins en même temps, tu me diras, hein. Un peu pour un con, je pense, le prof. Waouh, on a réussi. C'est la porte du cours de botanique. On y va, Harry. Non, si vous me laissez le choix, par contre, je vais aller voir ailleurs. Ok. Et c'est bientôt la fin de la vidéo. Tata, j'hésite vraiment là à m'arrêter ou à continuer. Va en cours de botanique avant que le chrono ne s'arrête. Passe à travers les sabliers flottants pour déclencher le chrono. Si tu bats le record de vitesse pour te rendre en classe, le professeur Chourov va te récompenser avec un truc spécial. Ah ouais, mais non, si vous me dites ça, moi aussi j'aurais envie de tout prendre, du coup je vais jamais y arriver. Y'a... C'est normal qu'il tombe ou bien c'est moi qui suis foncièrement mauvais. Ah, le record, ça doit être le point rouge. Essayer de faire le record en même temps que je... Attends, là j'ai sauvegardé. On va essayer de battre le record et en même... On va essayer de battre le record et en même temps de... Tout ramasser, ce dont je doute... À mon avis, ce sera pas possible. Allez Harry, fais pas l'autiste. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut repasser assez après par ici? Je l'espère. Ah ouais, en effet, ça aurait pas été possible. Oui. Nickel. Très bien. Vous avez battu un nouveau record. Voici la coupe du challenge de botanique. Harry, bravo. Merci. Magnifique coupe, hein, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique écran vert. Oh, on s'est 10 points en plus. J'espère qu'on peut retourner en arrière après, parce qu'honnêtement, j'ai pas le choix, quoi. Je pouvais pas récupérer tous les bonbons et en même temps battre le record, c'était pas possible. Je suis le professeur Chourov. J'enseigne la botanique. Soyez prudent avec la tentacula vénéneuse. Elle fait ses dents
Vous pouvez avoir un A, un B ou un C dans ma classe. Les meilleurs seront récompensés. Faites au mieux. D'accord. Regardez ma baguette magique lorsqu'elle se déplace sur l'écran. Puis appuyez sur les symboles qu'elle montre. Refaites le tout 3 fois pour apprendre le sort Incendio Duo. Prêt ? Parfait ! Bien ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Yeah, parfait. Bon, par contre, là, faut vraiment que je récolte le A si je veux choper les... Seulement. Très impressionnant. Essayez celui-ci. Faut pas faire de save, par contre. Parfait. 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 Ok. Bravo. Maintenant, concentrez-vous. Ça va être plus difficile. Parfait. 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 Il n'y a que le premier que j'aurais foiré, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai appuyé aussi. Non, vous aussi, vous voulez que la barre soit remplie à 100%. Monsieur Potter, vous avez un A en botanique. Ouais, mais je m'en fous. Parfait. 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 Parce que je me demande vraiment s'il nous file une carte ou quoi, donc on va le faire à 100%. Y a pas de raison. Voilà, c'est ça que je veux voir. Très impressionnant. Mauvais, mauvais. Essayez encore. Oui, sauf que j'ai appuyé sur triangle en fait, c'est ça le problème. Très impressionnant. Parfait. Parfait. Bien. Non, je veux parfait, je veux pas bien. Très impressionnant. Bien. Parfait. 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 On va voir, mais je crois pas que ça fera 100% du coup. Ah. Alors, on va mettre quoi? 93, 95, 83, 91. Ouais. Très impressionnant. Parfait. 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 Yes. Pfiou. Pourtant c'est pas difficile, mais je sais pas trop à partir de quand ils considèrent que c'est parfait, si c'est quand le... Hop, on se regarde. Si quand le curseur est au milieu, ou seulement quand il vient juste d'entrer dedans en fait. Parfait. Bien. Non, pas bien. Bravo. Maintenant Parfait. Bien. Non. Parfait. Parfait. Je crois que c'est quand ils considèrent que c'est parfait. Au milieu. Parfait. Parfait. Voilà. Pfiou. Donc là, à 100%. What? Monsieur Potter, vous avez un A en botanique. Très bon travail. Merci. Grâce à votre dur labeur, vous avez gagné la coupe du cours de botanique. Et vous avez obtenu la meilleure note. Oh, on n'a pas eu d'écran vert. Potter, suivez-moi. J'ai un petit travail pour vous. D'accord. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire pause parce que là, le temps est écoulé. Nickel. Voilà. Donc, on va faire d'ailleurs une petite save. Maintenant, la pause. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On aura quand même bien progressé. Regardez, on est déjà à 14 cartes sur 24. On a récupéré donc les deux coupes de botanique.
J'espère donc qu'on pourra repartir en arrière chercher le reste des bonbons. Car je sais pas si on vendra encore autre chose ou pas, étant donné qu'on a déjà acheté 5 cartes aux jumeaux. Mais bon, on verra bien dans les prochains épisodes. En tout cas, on aura pu constater qu'on peut repartir en arrière. Donc logiquement, j'ai pas essayé, mais grâce au bouquin des souvenirs. Enfin, l'album des souvenirs, ce qui est vraiment excellent, une bonne idée, quoi. Du coup, au moins, si vraiment j'ai raté quelque chose, on pourra la refaire, et ça, c'est une bonne chose. Donc le 100% est déjà beaucoup plus facile à envisager. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là, et je vous dis donc à la prochaine pour la suite du Let's Play. Bye!